voit un autre comportement nouveau où c'est les anciens qui sont aussi agressés. On voit aussi c'est les biens, les infrastructures de l'école qui font l'objet des destructions par des élèves. Et cette attitude a pour raison en partie par la prise de certains stupéfiants. La politisation de l'école nigérienne a entamé l'image de l'enseignant. Ça a constitué un affaiblissement à outrance du système éducatif. À tel enseigne que dès qu'on dit qu'il y a problème éducatif, maintenant on plaque tout sur l'enseignant. Des ministres sortent, ils attaquent l'image de l'enseignant. Tout ça là, ça revient dans la tête des enfants et ils comprennent que l'enseignant n'est rien. Et ça a déclenché le système de la violence en milieu scolaire. D'abord, depuis qu'on a rentré dans l'année scolaire, on fait des chiffres, on dit qu'il y a un manque de tables, un manque de trucs là. Mais ce n'est pas normal que c'est les élèves même qui cassent ça. Et puis, par après, on vient siffler, on interdit le cours. Ce n'est pas normal. Je pense que les professeurs ne peuvent bien se comporter à part avec les élèves pour qu'ils vont avoir le respect. Avant, l'enfant appartient à tout le monde, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Si on constate une défaillance dans l'éducation, qu'on soit le parent de cet enfant ou bien un voisin, on pense qu'on a une contribution à apporter. On ne doit plus laisser les enfants à continuer dans ce sens. Face à cette violence, l'État doit s'assumer. On n'a pas dit que l'État doit créer les conditions d'une violence sur les enfants, mais il doit restaurer l'autorité de l'administration scolaire et l'autorité de l'enseignant. Il faut que l'État prenne des garde-fous pour que cela ne se répète plus. Donc il faut qu'il y ait des sanctions. Et des sanctions qui seront rendues publiques, que les uns et les autres arrivent à comprendre. Un acte posé dans un établissement scolaire doit être même passible d'une amende ou bien pourquoi même ne pas emprisonner des gens.